15 avril 1864. Nous sommes dans un petit appartement du 14 rue Saint-Joseph à Paris, à deux pas de la maison natale d'Émile Zola, qui naquit 24 ans plus tôt. Nous sommes en plein cœur de la capitale, pour ainsi dire. Julie Robert, 26 ans, prostituée, gît dans une mare de sang. La tête presque décapitée, ne tenant que par quelques os à la colonne vertébrale. C'est une scène du diable. La pauvre enfant s'est débattue avec son agresseur puisqu'elle porte des ecchymoses et des bleus qui nous l'indiquent. Elle n'a pas été violée, mais l'on a volé son portefeuille avec, semble-t-il, quelques économies bien ridicules. Ce qui surprend la police d'ailleurs, puisqu'en fouillant l'appartement de la victime, elle retrouve 1300 francs qui étaient à peine cachés dans une pile de draps. Le 6 novembre suivant, soit quelques mois après le meurtre de Julie Robert, dans une petite rue sombre de la rue Sainte-Marguerite, un souteneur notoire qui se rendait à l'appartement de Flore Mage, une prostituée de 32 ans qui travaillait pour lui, constate qu'il coule là, dessous la fenêtre de sa protégée, du sang. Il se précipite alors devant la porte de la jeune femme, mais l'appartement est fermé. Il trouve la clé jetée à l'autre bout du palier. Il la saisit et ouvre la porte. En entrant dans la chambre, il ne peut que constater une scène d'horreur indescriptible. Non seulement Flore a été égorgée, mais son fils de 4 ans également. Le tueur s'est acharné sur le pauvre enfant. Il a donné tant de coups de couteau dans son visage que le petit n'est pas reconnaissable. Une année s'écoule et tout semble s'être calmé. Sauf que le 8 janvier 1866, tout recommence. Quand un certain monsieur Maloiseau rentre chez lui, au troisième étage du 54 rue de la Ville Lévesque, il décide d'aller saluer sa petite protégée, femme de joie, mais qu'il considère comme sa petite fille. Marie-Victorine Baudeux habite au deuxième. Il est déjà à 23h30 quand monsieur Maloiseau frappe à la porte. Mais c'est un homme qui lui ouvre la porte. Surpris par la rencontre, Monsieur Maloiseau comprend que Marie-Victorine est en charmante compagnie. Le temps de prendre congé et de monter à ses appartements, que l'homme se précipite dans la cage d'escalier, le bouscule, dévale les marches par quatre et s'enfuit dans la nuit. Monsieur Maloiseau, troublé par la réaction de l'homme, se permet d'entrer dans l'appartement. Ce qu'il découvre va le marquer pour le restant de ses jours. Marie-Victorine gît là dans une mare de sang, la tête presque décrochée du tronc. C'est une vision d'horreur. Le tueur a volé tout au plus 100 francs qu'il a trouvé là. Car en effet, Marie-Victorine avait confié ses économies à Monsieur Maloiseau, craignant pour le vol. Nous sommes le 11 janvier 1866. Tout Paris est indigné par ces macabres découvertes. Les gens veulent un coupable, d'autant que ça n'est pas la troisième victime retrouvée mutilée ainsi, c'est déjà la dixième. L'enquête, diligentée par un certain monsieur Claude, chef de la sûreté de la préfecture de police, pense qu'elle a affaire au même tueur. Mais l'enquête piétine. Trop peu de témoins, peu de preuves, peu d'indices. Il y a bien ce témoignage, celui de Sophie Fouché, qui dit avoir croisé le tueur la veille du meurtre de Flore Mage. Il se tenait là, dans la rue Sainte-Marguerite, approchant Sophie pour lui demander ses tarifs. Sophie l'entraîne alors dans son petit appartement, mais constate que son client cache un paquet de forme allongée. Pris d'un doute, et par la peur, elle lui propose d'aller l'accompagner boire un verre, juste en dessous, là, dans le café du coin. Et l'homme accepte. Alors il se retrouve là, dans le café, mais Sophie confie ses inquiétudes à la tenancière, qui n'est autre qu'une amie. Cette dernière lui dit de s'enfuir par l'arrière, et dit à l'homme qu'elle va appeler la police. Celui-ci déguerpit à toute vitesse. Mais Sophie, qui a eu le temps d'observer l'homme, a remarqué un tatouage. Un tatouage sur l'avant-bras gauche, pour être précis. Une fleur avec écrit « Née sous une mauvaise étoile ». On fait donc rechercher tous les suspects potentiels avec cette information de premier ordre. Mais ça ne donne rien. Alors retournons au 11 janvier 1866. Nous sommes aux 3 rues Erfurt. Madame Veuve Midi, artiste peintre, ouvre la porte à un inconnu en blouse. L'homme se présente comme un ouvrier encadreur, venu récupérer quelques outils oubliés par son patron la semaine précédente. La Veuve Midi ne se pose pas de questions. Oui, elle a bien fait des travaux et peut-être que l'artisan a laissé la semaine dernière des outils dans son appartement. Alors pourquoi ne pas le laisser rentrer ? Mais à peine tourne-t-elle le dos à l'inconnu, qu'il se précipite chez elle et tente de l'étrangler avec une taie d'oreiller.
Dans un moment de panique absolue, Madame Midi réussit à mordre son assaillant qui lâche prise. Elle hurle de toutes ses forces, si affreusement que l'homme s'enfuit. Son voisin le plus proche, ayant entendu ses hurlements horribles, se précipite. Il croise un homme qui descend sans paniquer les escaliers et qui a le culot de lui dire tranquillement « Ça n'est rien, Madame Midi vient d'avoir un évanouissement. » Mais le peintre, puisqu'il est peintre, n'en croit pas un mot. Il poursuit alors l'inconnu tout en braillant « Oh voleur, arrêtez-le !» L'agresseur tombe nez à nez sur deux gardiens de la paix. L'un d'eux lui fait un croc en jambe et il tombe à terre. Laissant s'échapper, la Thédorie est pleine de son propre sang puisqu'il s'est fait mordre. Tombe là à côté un couteau de cuisine parfaitement aiguisé et l'on peut voir la morsure dans la chair que lui a laissé la dentition bien solide de Madame Midi. L'homme est brun, les yeux sont sombres, son regard est si glaçant qu'on a du mal à le soutenir. Sur son bras, un tatouage, né sous une mauvaise étoile. Après l'arrestation, l'homme est conduit au poste de police. Il s'appelle Louis-Joseph Philippe. Né le 1er octobre 1831 à Villemainfroid en Haute-Saône. Il a fait tout un tas de petits boulots après être sorti de l'armée. Touche à tout, il a été cuisinier, palefrenier, mais aussi garçon boucher. Il vit dans un miteux studio au 10 de la rue de Seine. Après une perquisition, on y retrouve des objets que la police identifie étant la propriété des trois dernières victimes, excepté le fils mage. Toutefois, Louis-Joseph ne reconnaît pas les 6 autres meurtres que tente de lui imputer la police. Il nie en bloc. C'est pas lui qui a tué ses filles. Le 17 juin 1866 s'ouvre son procès. Plusieurs témoignages viennent accabler l'homme, les témoignages de femmes ayant eu affaire à lui ou ayant pu s'enfuir des griffes du monstre. Son procès ne permit pas de comprendre ni les crimes, ni le véritable mobile. Il est condamné à mort et envoyé à la guillotine le 24 juillet 1866. Entre-temps, il avoue les 6 autres meurtres qu'on lui a imputés dès le début du procès. Pour quelle raison ? C'est un mystère. Le jour de son exécution, Louis-Joseph monte à la guillotine. L'homme ne fait pas spécialement le fafaron. Il sait qu'il va être tranché en deux dans quelques minutes. Mais il regarde et toise une dernière fois la foule. L'exécution est déroulée comme une partition. On l'aide à l'allonger sur la planche. Celle-ci est glissée vers l'avant. Et le couperet tombe. Il refusa l'aide du bourreau, dit-on. Il souriait cyniquement jusque sous le couperet et son chef, décapité, conservé au musée du Puitrin, a figé dans la mort la béatitude qui l'emplissait à son ultime seconde. En votre âme et conscience et selon les preuves avancées ici, à vous de juger en commentaire si oui ou non Louis-Joseph Philippe était coupable et s'il méritait la peine capitale. Si le principe de cette nouvelle émission criminelle en votre âme et conscience vous a plu, alors veillez à laisser un like pour encourager son auteur à perpétrer de nouvelles vidéos.